Hey, coucou mes petits culs, voici la suite du live de 2h30 du Notsoberry. Voilà, il va se passer pas mal de choses entre le relooking de Nathalie, la naissance, la société secrète, tout ça. Je vous laisse regarder et je vous dis bah, à très bientôt. Allez, ça, à tout de suite. Elle est Mimi, hein? Elle est Mimi, la petite! Alors, qu'est-ce qu'on va te mettre comme coiffure? Oui, c'est mignon. Oh, ça lui va bien. Ça aussi, ça lui va bien. Plus, elle est jeune, hein, elle est toute jeune, hein. Ça fait trop Nadine, surtout en blonde. Il va me falloir du temps avant de mettre quelqu'un d'autre avec cette coupe-là. Ça me fait penser à Adita. Oh, ça lui va super bien! Est-ce que je peux te changer tes sourcils? Ils sont bien, hein, ces sourcils, mais... Oh! Ah oh ouais! Ah, ça lui va bien! Ah oh ouais! Allez, je valide! Je valide! J'ai déjà vu un husky avec cette couleur des yeux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a la couleur? Elle est trop belle avec comme ça, hein? Ah mais regardez comme ça change une femme, comme ça change un homme, hein. Une barbe et une autre coiffure, ça change un homme. On va lui mettre une robe sympathique. Oh, bah c'est vrai que maintenant je l'ai débloquée. On va lui mettre une robe de grossesse, genre la meuf. Parce qu'elle va nous les pondre à la suite les marmots, hein, je pense, hein. Pour que Pulco puisse en profiter aussi. Alors ça c'est. Oh, c'est trop mignon. C'est pas logique parce qu'avec la ceinture, c'est tout déformé. Pourtant, c'est tout mignon. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Bon, elle, on s'en fout, on peut lui mettre les fringues qu'on veut. Oh, on va lui mettre la robe nounours! Mon dieu, c'est pas possible. Ah, ça, peut-être. C'est pas mal, ça. En bleu, vert. Non, le vert, il est chelou. Oh bah écoutez, en bleu comme ça. Avec des petites chaussures plates. Hein? Allez, en noir. Voilà, première tenue. Deuxième tenue. Est-ce qu'on va lui remettre une petite robette? Mettre la nuisette. On va pouvoir voir ces trucs. Ah là là. Oh là là, quelle classe. Non, ça c'est un peu moche quand même. Pourquoi ils me mettent les pyjamas? J'ai pas demandé les pyjamas. Ah, ça! Bon, pareil, ça c'est idiot. Parce qu'elle est enceinte comme pas deux, donc c'est pas joli quoi. Ah, j'aime bien! Ah, ben on va laisser ça. Allez, cérémonie! Magnifique! Alors, je te jure, on va te mettre une robe. Une jolie robe. C'est très bien ça. C'est quoi cette musique là qu'ils ont mis les Sims là? Comme pour l'instant ils vont pas se marier. Oh oui, en bleu ça lui va super bien. Pour l'instant on les marie pas. On s'en fiche, on fera plus tard, c'est pas un souci. Je vais te mettre un peu de maquillage par contre parce que tu le vaux bien. Tu le vaux bien. Oh oui! Regardez comme elle est belle. Bof. Quoi? Quoi bof? Mais Marie! Une robe baleine, sirène. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Après, elle sera pas tout le temps enceinte toute sa vie, hein. La première tenue, t'aimes pas? Oh là là, voyez comment elle est, Marie. Elle fait que critiquer ce que je fais, hein. Tout le temps. Mais elle est mignonne, c'est monde magique. Regarde, y a pas, ça lui serre pas le ventre et tout, elle écarte les jambes et elle accouche, tu vois. Voilà, elle est très mignonne. En sport. En sport, il y a besoin de relooking aussi. Alors non. Oui, on peut te laisser les cheveux comme ça, je m'en fous. Qu'est-ce que je fais? Oui, je suis pas dans la bonne catégorie. On va te mettre un truc, un petit haut, on s'en fout, vert, c'est bien. Finaise! Hé, elle a un bon bout là!
Dans ce cas, je vais pas te mettre en verse pubisère. En gris. Bof. C'est moi, c'est moi qui dis bof maintenant. Parce que bon, elle va forcément prendre du poids. C'est bien ça. Ouais, en blanc, c'est bien. Et chaussures. Et chaussures, j'ai dit. Des baskets. Très bien. Alors. Ah, tu dors comme ça. D'ailleurs, c'est un truc d'université, ça. Ah, je suis pas contre un deux pièces. C'est vrai que je le fais rarement sur les filles. Genre ça, là, c'est mignon. En rose. Le pantalon, on peut le garder. C'est pas très sexy, hein, on est d'accord. Ah, ce bide. Petit short. Genre, ouais, moi j'ai été à l'université, quoi. Mais comme je t'en mets en cloque, et ben j'ai arrêté. Allez, ouais, c'est bien. Allez. J'enlève tout après. J'avoue, le rose, il est un peu chelou. Bleu, allez. Et puis je critique si je veux, laisse-moi exprimer mon côté français. Oh, quelle belle robe! Elle est pas vampire! Non, ça va. Une belle robe de... Imaginez, on fait un anniversaire, elle est sapée comme ça. Un peu bizarre, ça, mademoiselle. Oh, on va mettre ça. Ou la robe sadomaso, au choix. Oh mon dieu, pardon. Non, mais elle est jeune, on peut la looker quand même un peu plus que ça. Genre ça, j'aime bien. Bon, là, elle est en cloque, hein, donc ça rend pas trop. Hein. Mais avec ça, avec des petits collants résille. Ou des cloquants. Hein, des cloquants, c'est-à-dire c'est des collants craqués. C'est des cloquants. Hein, chez moi, ça s'appelle comme ça, des cloquants. Voilà, comme ça. Et des petites, et des bonnes petites chaussures à talons. Bon, là, elle est engrossée, alors faut pas faire attention. Regardez. Là, il y a du style. Et puis, on va la maquiller. Parce que quand même... Ouais, beauté du diable. Regardez-moi ça. Elle a le teint frais, cette demoiselle. Un petit gloss. Un petit gloss. Parfait, regardez-moi. C'est une bombe. Salut Elisa. Lady Gragra. Elle va exploser. Mais elle est enceinte, vous êtes méchant. Et il est mignon ce petit haut. C'est un petit haut de maillot de bain, ça. J'ai jamais fait gaffe. Bah écoute, tu vas le laisser. J'aime bien. Et t'as le petit bas qui va avec. On va mettre ça. Regardez, elle a tellement de ventre qu'elle a presque plus de culotte devant. Je suis pas sûre qu'il y ait le bas qui est associé à ça. Wow, c'est bien. C'est très bien. Allez, c'est comme ça. Alors, ah bah c'est mignon, ça, dit. On va te mettre juste les tongs qui vont avec. Bon, bah les tongs, les tongs, les tongs, les tongs. Ça. Ah ouais, ça c'est nickel, ça va très bien avec. Et... Ah oui, c'était ça, la fameuse tenue, d'accord. Non, on va faire une tenue nous-mêmes. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que cette musique? Je sais pas si vous l'entendez. Eh hey, Jamaïque. Quelle est donc cette musique du diable? Ah, j'aime bien en noir. Et une petite jupe. Alors, c'est vrai que les Sims, ils considèrent qu'en hiver, on ne met pas de jupe. Depuis quand? Depuis quand?
Non, on va mettre la jupe dégueulasse. La jupe dégueulasse d'université. Bien sûr, moi je la vois déjà quand elle est fine et sans être engrossée, hein, bien sûr. Vous n'avez pas d'imagination, c'est pour ça. Je le mets toujours en pyjama. Moi, toujours en pyjama. Le sac. Le sac? Ah, la jupe sac? Ouais. C'est un peu une déception cette jupe-là. J'ai vraiment pas compris pourquoi. Hein. Ouais. Ah, la jupe Moschino! Mais regardez, ça va le faire. Bien sûr, quand elle sera plus obèse, hein. Obèse du vagin. Enfin, du. Pareil, en hiver, on n'a pas le droit de porter de talons, hein. J'espère que vous n'en portez donc pas chez vous. Pardon. Et donc, on va mettre. Décollant, parce que nous sommes en hiver. Là, vous allez me dire, oh, là, quand même, le bidou qui sort. Oui, mais. Moi, je m'en fiche. Et puis, on va lui mettre un petit bonnet. Ça, elle aura pas froid. Alors, le problème, c'est que ce bonnet, je ne les mets jamais. Pourquoi? Parce que. Ils sortent de la tête et j'aime pas. Donc, je mets toujours les mêmes. Après, on peut mettre une claquette, hein. Oh, elle est mignonne avec une claquette. Où ça? Oh, ça lui va bien. Bien sûr, le violet va pas correspondre. Parce que sinon, je mets ça en général, moi. Je mets les bonnets comme ça. Bah, écoutez, hein. On va laisser le bonnet comme ça. Bonnet de Père Noël? Non, c'est bien. C'est bien. Allez, validé. J'en porte pas tout court, donc c'est bon. La jupe en jean était bien, sinon tu meurs. Ouais, sinon tu meurs. Bah moi je parle pas de talons, mais les jupes j'en mets en hiver, en été, en automne, en printemps, quoi. J'en mets toute l'année, moi. Je m'y restais le même bonnet avec visière. Ah! J'espère que ça te va bien. Salut Angèle, à bientôt! Voilà! Donc nous avons relooké la petite Nathalie! Elle a l'air contente. Hein. Gavomoy. On a hâte. Hein. Voilà. Elle est mignonne. Hein. Je suis contente d'avoir pris cette fille. Hein. Elle est vraiment très jolie. J'espère que nos enfants seront très beaux. Évidemment. Elle est très mignonne. Bon, bah, lui, il fait encore sa fusée. Tout va bien! Le live va être long, hein. Enfin, je fasse des cuts. Je ferai en accéléré, je pense, le moment où je relook la maison et je relook la fille. Tu peux faire une dédicace à Mohamed Walid? Bah voilà, c'est fait. Je vais préparer mon dîner. Très bien, Marie Bonap. Il est quelle heure? Ah, oui, 20h. Pouf! Ah bah alors! Et alors, Pulcote? Fais pas l'imbécile, hein. Tu vas avoir un enfant bientôt. On est quoi? On est mercredi. Ah, il faut un métal. Il faut un métal ce soir, c'est la réunion des trucs là. Pulco a terminé l'installation de l'amélioration de sa fusée. On a tout amélioré. Voilà, première chose cochée pour Pulco parce qu'en fait, il faut construire et tout mettre en amélioration. Écoute, tu vas t'explorer. Tu vas explorer l'espace. Attention. Adieu, Pulcote! On la voit encore. Turbulence en vue! Pulco guide soigneusement la fusée en orbite au-dessus d'un petit monde extraterrestre. Mais de toute évidence, quelque chose ne va pas. Des interférences ioniques dans la thermosphère de la planète provoque la pagaille dans les systèmes principaux de la fusée. Pulco décide de tenter un atterrissage d'urgence, ce qui est une bonne idée, étant donné qu'il n'a pas d'autre choix. Est-ce qu'on nous a menti? Allez, parti! C'est bon. Bon, ben voilà, Pulco est en train de se dépuceler de... Mais ça sert à rien que tu fasses ça, tu vas aller travailler après. Non, non, tu vas faire autre chose. Juriste, hein, on s'est dit, hein. Excusez-moi. Grâce au stabilisateur, Pulco peut garder un certain contrôle de la fusée. Il évite de peu une transformation
Une formation de pierres très pointues atterrit brutalement dans un marécage à quelques kilomètres de là. Luttant pour retourner sur la terre ferme, Pulco se demande comment il va sortir de la fusée de la fusée de la boue et la remettre dans l'espace. Ah, qu'est-ce qu'elle est choupie ! Qu'est-ce qu'on pourrait te faire faire, toi ? Tu pas grand-chose, hein, on attend juste que t'aies un utérus sur pattes, hein, ça y est. Ça y est, dans 24 heures, c'est la naissance, Sims. Le petit homme vert, c'est Hulk. Alors que la fusée s'enfonce encore un peu plus dans le marécage, Pulco voit soudain un petit homme vert s'approcher. Étonnamment, la créature parle couramment le Simlish. « Vous aider, je peux », dit-il. « Bon, presque couramment. » Ah oui, d'accord, c'est Yoda, en fait. Ouais. Tant que ça monte. Il propose de sortir la fusée de Pulco du marécage s'il réussit certaines épreuves. Pulco accepte. « Oh my !» Tu peux admirer les... Ils font quoi, les vieux ? Oh là, le truc elle est cassée. T'as tiré à te laver la vieille là. Tu pues. Qu'est-ce qu'il a lui? Oh là là, je suis fatiguée. Alors, les épreuves. C'est l'heure de la première épreuve, annonce la créature d'une voix rauque. Choisis un chiffre entre 1 et 10. 8. 4, répond Pulco. Ah, bah voilà. Bravo, maintenant la deuxième épreuve. Eh, c'est super facile, me préparer un déjeuner, tu dois. Poursuit la créature. Pulco peut chercher quelque chose dans la jungle ou essayer de trouver un poisson dans le marais. Parce qu'il est dans une jungle ? J'ai pas compris qu'il était dans une jungle. Appelle ton Sims PlayStation. N'importe quoi. Ça se fait encore une dédicace, c'est trop mignon. Bah écoute, apparemment. Appelle le Raphaël le bébé. Pourquoi ? Ça se fait plutôt à la radio les dédicaces maintenant. Appelle le Raphaël, c'est trop mignon, c'est vrai. Non, Momo. Alors, parce que là, le bébé, il va arriver déjà pas tout de suite. Et que là, il faut qu'il ait un nom qui a un rapport avec la couleur grise. Puisque c'est le Notsoberry et que ce sera un potentiel héritier pour la génération grise. Donc, Raphaël, c'est pas gris. Enfin, je vois pas de rapport avec le gris. Alors, on recherche dans la jungle ou dans le marécage ? Non, il est dans un marais. Oui, oui. Mais il marquait qu'il doit chercher dans la jungle, donc c'est pour ça que je comprends pas. Grippin, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, il va s'appeler Grippin. Griselda. Ah, c'est joli, Elisa! C'est très joli, Griselda. J'aime beaucoup. Là, je retiens. Il y a eu Nuage, que j'ai beaucoup aimé. Silver. Il y a eu Perle, Perle Grise. Ah, parce que c'est mignon aussi, c'est très joli, Perle, une fille qui s'appelle Perle. Silver, et puis Mickey Minnie, ça me fait marrer. J'ai trouvé Dim Gray. Qu'est-ce que c'est ça, Dim Gray ? Par contre, les enfants, jungle ou marécage, je vous attends. Vous pouvez me le dire, s'il vous plaît, que je fasse pas ça dans le vent. De marécage. Alors, si c'est pas ça, je vous banne. Hein. La meuf. Va te coucher, toi. Va faire une sieste. Voilà, maintenant, vous êtes... Alors, maman grenouille, si c'était l'autre, je te banne aussi. L'épreuve ultime. Ah, donc ça a l'air d'aller. Dans le marécage, Pulco attrape un genre de poisson. La créature sourit. Normalement, un cadeau offert pendant le rituel d'accouplement, c'est... Ah non, il va pas revenir en cloque ? Je veux pas de ça. Je veux pas de bébé... Je veux pas de bébé alien. T'es mort. Dit-il, c'est pas grave, mais c'est pas grave ce n'est. Oui, d'accord. Ça rend mieux en anglais, je pense. Hein. La dernière épreuve consiste à explorer la grotte maléfique. La créature donne une arme à Pulco. En insistant, j'ai du mal, étrangement sur le fait qu'elle n'en aura pas besoin. Prendre l'arme ou laisser l'arme? Allez, c'est à vous de me dire. Marécage, il va s'enfoncer. Bah, c'est trop tard, c'est répondu. Alors, on la prend ou on laisse l'arme? Re-Céline. Peut-être que vous qui regardez la rediff, vous saurez mieux que moi. J'avoue, là, c'est le chat qui choisit. Hein. Le chat Twitch. 404. On prend l'arme ou on laisse l'arme? Est-ce que vous êtes pro-arme? Est-ce que vous êtes américain? Ou est-ce que vous n'êtes pas américain?
Ce n'est pas grave, n'est-il pas? Il aurait aimé un traduc. C'est ça, ouais. Alors, on me dit les deux là. Prends, laisse, laisse. Soyons pacifistes, ne prenons pas l'arme. Allez, majorité pour laisser l'arme. Va bien voir ce qui va se passer, hein. Elle va aller se baigner dans l'eau. C'est une maison très jaune, quand même. Quelle belle toiture! Negapulco! Merci, Glorietas, pour le follow. Merci beaucoup. C'est une ref évidente à Star Wars quand Luke arrive sur Dagobah, la planète de Yoda. Si tu le dis. Au plus profond de la grotte maléfique, Pulco découvre son défi ultime, Negapulco. What? Et Pulco n'a pas d'armes. Heureusement, après avoir pris connaissance de la situation, Negapulco accepte de faire comme si Pulco l'avait vaincu afin de lui permettre de rentrer chez lui. Finalement, Negapulco est plutôt sympa. Il ne reste plus qu'à voir si cette étrange créature peut sortir la fusée du marécage. C'est quoi Negapulco? C'est un... Parce que mon perso s'appelle Pulco, il se serait appelé Jean-Marie, ce serait Néga Jean-Marie. On est d'accord? Merci Momo pour le follow, bienvenue à toi du coup. Wiki Marie, bonjour. Il y a effectivement une jungle autour du marais. Je pense pas qu'elle reviendra enceinte, c'est quand ils se font enlever. Ah! Bah, il y a moyen que ça arrive quand même, hein. Bon, Claudette, va pisser. Elle est trop mignonne. Les deux pisseuses. Les deux pisseuses en train de pisser. On n'a pas encore fini son voyage, hein. Ah, regardez! Elle est quand même là! Attendez, est-ce qu'on peut la voir Non, c'est quand on est vraiment près du pas de tir qu'on la voit, la fusée. Et il est en train de gagner en fuséologie? Oui! Oh, c'est trop bien, on va arriver au niveau 9! Regardez, ça monte tout seul! C'est formidable. Ce serait trop bien de finir direct comme ça la compétence, quoi. C'est trop cool. 97. Ça ralentit. 98. Qui c'est qui chante? La Vioque? 99. On va arriver au niveau 9 de la physiologie. Oui! Oh, bravo, Pulcote! You are the best. Il peut désormais installer l'amélioration ordinateur d'atterrissage automatique dans la fusée. Ah, c'est ça. En fait, quand tu prends en grade de physiologie, tu peux ajouter encore plus de choses. Parce que là, il avait fait que ajouter, ajouter, ajouter. Parce qu'en fait, non seulement tu apprends en physiologie en montant le machin, mais en plus tu l'es... Ouais, d'accord, j'ai compris. Et si c'était appelé sioniste? Tu l'as fait emménager. Oui, parce que bah va falloir qu'elle mette bas. Hein. Là, dans moins de 24 heures Sims. Hein. Vers 15 h le jeudi. Donc là, on a encore le temps. Pulco est en train de visiter l'espace. Voilà. Et puis on a relooké la petite. Elle est trop belle. Ouais. Lui, il est tristoun parce qu'il s'est dit ouais. Ah, Pulco revient. Attends, je vais prendre une photo, mon Pulco. Ah, peut-être que ce sera ça la... Ah oh, oui, ce sera ça la miniature. Je vais y arriver à parler, hein. Excusez-moi, je le fais en direct, hein. Mon petit Pulco, regardez comme il est beau. Pourquoi il est content? Qu'est-ce qu'il raconte? Explorer l'espace, raison fusée. Braval! Braval. Bon, on va pisser. Oublie pas qu'à je sais plus quelle heure là, il va falloir qu'on aille à Brightchester avant là pour trouver un métal. On peut commander des trucs, hein.
On peut commander des trucs. Je vais commander. Ce sera plus vite parce que je crois que sinon. Ah! C'est the good news. Oh, je vais essayer de commander des trucs parce que sinon on est dans le caca. Bravo Pulcote! Oh, c'est vraiment le meilleur, hein. Il semble que pour la fusée, il y a des améliorations à faire quand tu es même. D'accord, je regarderai. Je ne touche plus à cette carrière. Bah écoutez, ouais, moi, il y a eu une paper et là, il y a dans mon legacy 2-0 où Ultra Goth est dans la carrière scientifique aussi. Et à chaque fois, ça a été des femmes que j'ai fait en carrière scientifique, du coup, j'ai jamais eu de soucis. Bravo le Pulco, oui, vous avez vu ça, hein, il est fort. Hein. On voit qu'il est enceinte de 2 heures. Ah, je plaisante. Attention au pain, le ban. Non, je... Ah, je suis trop contente. À plus, quel pied. Bah oui, hein, on va reprendre 4 cours, hein. Il en reste 4, donc on va lui en prendre 4. Hein. Bien sûr, à domicile, bien sûr, on paye. Ah, oh, c'est plus fort, Pulco, regardez. Et puis il va encore dire, bourse couvrant tous les frais. Alors qu'on vient de valider que c'est fait avec les sous de la maison, mais c'est pas grave. Alors, il a cours dans 2 jours, il a cours dans 20 h, il a cours dans 2 jours, il a cours dans 21 h. D'accord, bon, bah. Présentation et dissert, d'accord. Cours d'amateur, une meilleure et encore meilleure source souricière. Tiens, comme par hasard, on retrouve le truc de souris. Alors, tu vas faire ça en prom, ça, mon petit. Il est bien? Ouais, il est bien. Et encore le truc souricière, ça. Tu vas faire en proms. Je me suis pas trompée. Hein. C'est à 13 h 30 et 15 h. Après, ce sera théorie des cordes avancées. Eh bien, mon Pulco, c'est bientôt le diplôme. T'auras pas 50 ans! Oh là là, je suis fière de toi. Les hommes ont plus de chance, je crois. Ah oui, c'est ça. Elle signe pour que son fils s'appelle Jerry. Ah mais non, mais en plus, tu sais, Jerry, ça me rappelle le pseudo chasseur de fantômes et j'ai du mal. Oh, parce que quand tu vois le bazar, t'as pas envie, hein, t'appeler Jerry. Ça va, Gertrude? Bah, écoute, tu manges, tu pisses, fais ta vie. La grosse donzelle. Arrête de parler à ton fils, toi. Et toi, arrête de parler à ta mère. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, bah oui. Nous, on emmène toujours le manger quand on va aux toilettes. Toujours. Magnifique, regardez. Ça, c'est beau, ça. Merde, ça zoome. Pourquoi ça cache l'assiette? Là, voilà, ça c'est beau ça. Magnifique, hein? Le caca ou le pipi, on mange et en même temps on fait. Voilà, ça c'est Quentin, ça. Et oublie pas de commander le métal. Oui! Merci. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là. Si je peux commander un métal, parce que j'avoue que... Commander. Commander les cristaux. Du coup, ça peut être aussi des métals, hein. Il n'y a pas de métal. Dispo rongeur, graines, feu d'artifice, médicaments, cadeaux, écouteurs, livres sur papillote surprise. Non, j'ai pas. Y a pas de métal, c'est vraiment pas de bol. La 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 la. Faire une offrande. Ah, et j'avais pas, il me restait pas du cristal. J'avais tout mis. Parce qu'on avait été dans le monde magique et tout. Non, c'était avec Tibalt. Oh, je sais plus. Je vais acheter du cristal. Quand même. Alors, ça, on prend tout. Nous, on prend tout. Ouais. T'inquiète. Ouais, on a tout ça. Il devra faire une petite sieste après, sinon il va pas tenir le coup pour aller à la cérémonie.
Sachant qu'ils devront avoir à manger aussi. Oh, ils sont des mamours! Oh, ils vont être beaux, leurs enfants. En cadeau, sinon. Regardez les cadeaux! On ne dit rien à ceux qui se lavent dans le frigo, c'est ça. Ouais, moi je me lave dans le frigo, moi aussi. Oh, il faudra qu'ils réparent ça. Alors, achetaille des cadales! Y a pas. On le saura. Eh mais attendez. Elle en avait plein. Pepper, justement, dans sa carrière scientifique. Peut-être que c'est dans mon... Là. Il y en a peut-être ici. Alors déjà, il nous reste des trucs. Shirley, qu'est-ce que t'es intelligente. Je vais tous les prendre, là. Ah non mais là on est content. Là on est content, on va pas galérer à trouver. Merci Pepper. Merci Pepperette. Allez. Bon, je pense qu'on est bien là. Ah, je vais sortir ça aussi, tiens. Je vais sortir ça. Allez, mais allez, casse-toi là! Oh, je crois que c'est en train de planter. Je vais enregistrer. Au cas où ça plante, ça m'embêterait un petit peu. Sauvé. Il y a pas d'arrivée d'eau dans le frigo, mais il y a un siège de toilette. Techniquement, il marque un point. Ça, on va le vendre. Tant pis pour mamie. On va mettre là. On met un peu de place pour le petit bé et petit Noubou qui arrive. Hein. Oh, cette. On est rassuré. Hein, on va pouvoir mettre ça dans l'inventaire de Pulcote. J'avais complètement oublié le Père Noël! J'avais oublié qu'on était Noël! J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on est sur la journée de Noël, mais tout va bien. Le Père Noël est là. C'est magnifique. Je me demandais que c'était. Sur le coup, j'ai cru que c'était un alien, hein, je vous cache pas. Hein. Un alien qui. Le Père Nono! Oh, super! Tu vas te présenter. Oh, il met des cadales! Moi aussi, je veux un cadal! Tu m'as oublié cette année. Viens, connasse! Alors, est-ce. Mais t'es. Oh, arrêtez de nous harceler! Est-ce que tu vas avoir un beau cadeau, Bordeaux? Mais. Il s'appelle comment cette année? Marc Boyer. Bon, et personne veut lui parler. Ça commence à me saouler. Ils sont tous buggés, là. Ça m'énerve. Enfin, c'est à cause d'elle. Parce que c'est connu, hein. Ils peuvent pas faire ça en même temps, chacun. Demande un cadeau. Vas-y, casse-toi après. Allez, arrête, c'est bon. Demande un cadeau! Casse-toi! Elle a pas demandé de cadeau. Péter un câble. Ah, il a pété un câble! Il te faut de la bouffe, Pulcote! Pulcote! Tu dois avoir de la bouffe, s'il te plaît, tu peux faire un plat. Il faut que ce soit sucré. On va prendre les brownies. Je suis pas sûre. Un cristal, s'occuper des jardins, et faire une offrande de nourriture. On s'en fout en fait. Ok. Ok. Elle, elle a quoi? Une vie au microscope, super. Toi, tu vas lui demander aussi un cadeau. Parce que c'est chiant ça. C'est toujours la Bérésina hein, quand il y a
Le périvers qu'elle a. Tiens, toi, viens faire une sieste. Viens là, gros naze! Allez! Comment ne pas perdre la tête quand t'as des Sims capricieux qui ne font jamais ce que t'en demandes, qui te font péter les landes, surtout les Sims respectueux! Ah! Punaise. Et lui, il retourne se coucher. Littéralement, un autre que la tricette, c'est des mensonges. Bien fait. T'arrêteras de me casser les pieds. Bon, va, dégage! Tu me saoules! Je vais jamais y arriver! Sans se presser! Tu vas lui donner le cadeau? Tu lui dois demander un cadeau? Oh, il est en train de péter comme un gros dégueulasse. J'en peux plus. On est en train de rater la cérémonie. Allez! Maniez-vous le fion! C'est bon, casse-toi. Allez, casse-toi, va pisser, va dormir. Go! On s'en fout, on y va. On se casse! Un linge plié, homme chanceux! Tout ça pour ça. C'est pas le Père Noël, mais le Père Hiver, ça change tout. On lui casse les pieds quand même! Cosmira mon Sims. Ah si, je me désabonne. Comment tu traites les Sims, ses abonnés? Avec l'irrespect le plus total, parce que c'est des saletés. C'est tout! C'est comme ça, hein? Moi, j'y peux rien! Alors, on va aller au bar. J'adore quand elle gueule sur les Sims, ça me rassure de voir qu'il n'y a pas que moi qui... Eh, je te jure, j'en peux plus, moi. Eh, mais elle est relou, ta Sims aussi, elle fait jamais... T'as vu combien que j'ai galéré pour faire ce qu'elle... ce que je demandais? Pouvias. Amour? Cœur, love, Sims. Pareil que je parle que de Sims. Dans la vie. Glouglou, le père hiver. Alors, je te fais des beaux Sims, j'ai mis tout mon amour, wesh. Allez, elle est casse-couille, j'y peux rien. T'y peux rien non plus qu'elle soit casse-couille. Lana Colette. Tu vas revêtir... comment on fait d'ailleurs, tenue? On n'a pas la tenue... J'ai l'impression qu'il a grossi. Oh, ils sont trop mignons les petites... Ah non, est-ce qu'il va falloir qu'il mette sa cape, mais je sais pas comment on fait. Il va tomber dans les pommes. Le live qui dure 10 ans, quoi, j'en peux plus. Il y a Bordeaux qui dérange aussi. Ouais, on va dire ça. Et il donne de la bouffe pourrie, hein. Alors, comment on fait pour se changer? On peut pas? Ah, ça y est! Oh, ça y est, il le fait tout seul! Ah, tellement d'attente pour voir un de mes Sims dans le... Alors, les lutins. Les lutins. Non, tu restes là. Contactez les lutins. Faire une offrande aux lutins. Alors, tu vas offrir un diamant. Allez, nous on n'y va pas par quatre chemins.
Tu vas faire une autre offrande, tu vas donner un métal. Ça, c'est bon. Faire une offrande de nourriture. Faire une offrande de nourriture. Voilà. Les brownies au chocolat, préparés avec amour, et s'occuper du jardin. On peut rien faire avec les champis. Bah, et les autres trucs qui sont pas poussés, qu'est-ce que tu veux qu'on s'occupe? Eh oh! On a galéré à faire partie de la bande, maintenant tu restes, hein. Ah bah oui, arroser, d'accord. Dire des choses inspirantes, vas-y. On a fait nos trucs, c'est cool. Oui, ils ont l'air contents. Pourquoi ils sont tout orange? Il y en a qui sont orange. On peut rien faire avec eux. Attendez. S'entraîner à chanter. On pouvait chanter ensemble, c'était ça, chanter ensemble? Allez, on va chanter ensemble. Une petite chorale. Du coup, la vieille, elle est morte. Sophie Molton. Ah bah non, elle est encore là. Oh, c'est mignon. Ma mère, elle vient de rentrer dans ma chambre, elle se demande de donner tous ces cris. Bonjour madame, excusez-moi, je me suis un peu énervée. En même temps, hein. Bon ben voilà, nous avons fait les machins, et puis voilà, on est content. Est-ce que lui, il est content? Importuné par des lutins. Contact, votre relation avec les lutins semble avoir changé. Essayez de détendre l'atmosphère en divertissant vos lutins par des interactions sociales malicieuses, amusantes ou romantiques effectuées sur d'autres Sims. On va rentrer à la maison surtout. On va rentrer à la maison et l'interaction romantique, on va la faire dans le lit avec notre petite amie. C'est pour ça qu'ils sont tout orange. Mais ouais, mais il n'y a que quand ils mettent la cape, j'ai l'impression qu'ils voient les lutins. Le problème, c'est que comment on la met en temps normal? Je ne sais point. Le live va tellement être long, la rediff, personne ne va la regarder. Si vous êtes là, la rediff, bravo. Rien de tel qu'une berceuse pour un bon dodo. Ouais, c'est ça! Alors, bon! Je savais qu'il était fatigué, mais quand même, je m'attendais pas à ce qu'il tombe. Alors que c'était tout beau, ils chantaient tous bien comme ça, c'était mignon. Mais bon, tant pis. Parce que là, je n'arrête pas le live avant la naissance du bébé. Hein. GG à tous ceux qui regardent la rediff, oui. Il y en a quelques-uns, j'ai pas forcément beaucoup de commentaires, mais j'en ai. Regardez! Ah ouais, attendez. Oh mais elle, t'es où? Vieille folle. Excusez-moi pour les cris. Punaise! Non, tu vas aller faire des... Tu vas aller rouler un patin à ta copine, là. Comme ça, ils seront contents, les lutins. Oh, ils font des piou-piou! Bon, ah, elle est en train de chier sa vie ou quoi, elle? Ouais. C'est mignon, les petits bruits. Voilà, il répare vite parce que c'est répare vite son deuxième nom. Allez! On va rouler un patin à ta gueuse. Faire crac crac. Ils vont être contents, les Lulu. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu vas discuter des coins de pêche avec le père hiver? S'il te plaît, là, j'ai pas compris. On va faire crac crac avec Nathalie. Faut lui ouvrir le col de l'utérus, là.
La naissance de Griselda, tu les prévois de faire se marier? Oui, je pense, ouais. Il s'éclate le périmètre. Panique pas, elles peuvent pas mourir quand elles sont enceintes. Oui, mais j'ai eu très peur quand même. Toi, l'arrêt sur image où elle était dans l'eau. On va pas y arriver. Hein. Non mais les vieux, allez vous coucher. Toi, va manger. Allez, pulcote. Tes bestioles, elles vont pas être contentes, hein. Oh, l'esprit des milliers est en train de disparaître. Ok, c'est bon. Crac, crac. Ça va être un crac, crac horrible. Je le sens parce que, en plus, ces bestioles, elles sont même plus là. Pourquoi elles sont plus là, les bestioles? On sait pas. Puis il a cours, lui! Ça va, il a pas cours le matin. Mais il faudra qu'il fasse atterrir des cordes avancées, hein, parce qu'on l'a pas fait. Il ira en cours pile quand il va venir papa. Oh là 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 là. Nous voilà dans Titi Rominé. Ah bon? Début du semestre. Ouais, t'inquiète, il dort là. Non, 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 mais dors! Pourquoi tu veux te lever? Là, t'es dans pas. Là, t'inquiète, je vais te gérer, tout va bien, t'inquiète pas. Écoute ce que je te demande, ça ira mieux. Promis, juré, craché, ravalé. Ouais, c'était sympa, ouais. Ça le fait, la vieille. Va bouffer, va dormir. On n'a même pas ouvert les cadales. Mais en même temps, c'était rempli de tristesse et de mensonges, donc. Ça me fait tellement rire. Voilà. Tu vas dormir. Les cours de. Mais elle a pas fini son truc, là? Ah bah écoute, va pisser, va manger. Grosse comme t'es, là. Oh, elle, je m'en fiche, hein, si elle rate ses cours. Hein. Je vous le dis. Hein. On peut pas quitter l'université? C'est nul. Je le fais dormir encore jusqu'à 10h. Après, il ira prendre une douche. Allez, go! Tu vois, t'es en meilleure forme. Suffit de m'écouter. Ah, qui c'est qui est mort? Ah bah voilà, Sophie Molton. De la confrérie secrète. Bordeaux doit donner une évaluation sévère avec un collègue. Toujours ajouter des compliments. Chose que ma chef ne faisait jamais. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'il prenne sa retraite, lui, hein, au bout d'un moment. Et que tu manges. Elle s'est pas concentrée. Bravo, tu sers à rien. Ah, écoute, va te coucher, va te faire une sieste, on va éteindre la musique. Pulco, il mange. Et après, Pulco, tu vas faire tes devoirs le mieux que tu peux. Hein. Là, j'avoue, on est dans le caca. On est un peu dans le caca. Heureusement que t'as pas cours le matin. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, t'as mangé. Ouh, stress. Vous êtes prêts pour les prénoms, hein? Avec le téléphone, on peut? Remina. Il y a trois titis autour du lit. Ah, d'accord, pardon, j'avais pas vu. J'avais pas compris, je veux dire. Avec le téléphone, on peut quitter. Quitter le semestre, allez. Oui! Et merci Citizen 59 de ton follow et bienvenue à toi. Ça me fait gratter l'oreille, tu vois. Trop de choses. Quitter l'université. Très bien. Bah écoute, on va la laisser accoucher et tout ça. Va pas emmerder ton mec. Laisse-le tranquille. Là, il est en train de concentrer. Et puis après, on lui fera prendre un taf quand elle aura accouché. Cours dans 3h à 15h. Ça va. On va y arriver. Ah bah non, dans une heure, ok. Dans une heure? Ah, j'avais oublié qu'il y avait le cours là avant. Il n'aura pas le temps.
Parce qu'en plus, les deux cours là, ils vont se suivre à 5 minutes, donc 50. Non, 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 tu lui parles pas. Voilà. Allez, c'est bon, va en cours. Je suis très concentrée, hein. Et lui, il voudrait peut-être qu'il prenne sa retraite. Et toi? T'accouches quand là? T'accouches bientôt? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller danser. Je t'ai dit de faire une sieste en fait, tu sais. Cours de plus court dans une heure. Oui, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je suis au takai. Au takai! Il va être 15h, hein. Elle va accoucher. Hein. Le bébé est là! Alors, tu vas me faire un petit pipi, comme d'habitude. On connaît les bails. Ah bah non, là, elle a pas 13 ans. Si, ça y est, ça descend. Hop! Pour une fille, Lucie, pour un gars, Vincent. Non! C'est un prénom qui aura un rapport avec la couleur grise. Parce que la génération qui arrive dans le Notsoberry, c'est la génération grise. Donc je veux qu'il y ait des prénoms qui soient en rapport, en fait. Voilà. Donc il faut peu prénoms avec du gris dedans. Qui font pas penser à du gris. Petit bébé! Il est arrivé, le petit bébé est là, le premier, lequel des trois? Trois, pourquoi pas, on peut en faire trois, on peut en faire deux, on peut en faire un. Autoroute, oui, très bien, autoroute. Bernard et Bianca, non! Pas Bernard en tout cas. Ça y est, c'est It is time. It is time, vous savez même pas encore si c'est une fille ou un gars. Et c'est alors, dans ce cas-là. Moi, déjà, tu vas pas t'appeler Jolie, tu vas t'appeler Rainbow, Rainbow Six. Putain, j'arrive pas à faire avec mes doigts aujourd'hui. J'aimais bien plusieurs prénoms. Silver, je voyais plus ça pour un gars. Alors Griselda, Perle ou Mini. Je vais faire un sondage. Vous savez, les sondages, on aime bien les sondages chez nous. Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et donc, nous sommes à 6 et 6, Perle et Mini. On va recréer un Stropole. Voilà. Ça, les votes qui ont été ailleurs, et eh ben se décideront. Oh là là, punaise. Allez, on est reparti pour un vote. Parce que là, je vois qu'on est une vingtaine. Donc je vais voir 20 votes. Il reste 30 secondes, c'est maintenant ou jamais. Ne venez pas vous plaindre de n'avoir pas été entendu. Hein? Je fais tout pour mes abonnés. C'est vous qui choisissez la vie que je mène. C'est mes abonnés choisissent ce que je mange le matin, le midi et le soir, comment je m'habille, comment je dors et qu'est-ce que je regarde le soir, qu'est-ce que. Et voilà, et si j'ai le droit d'aller au pipi ou pas. C'est mes abonnés qui font ma vie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fini! Et elle s'appelle Perle! Elle s'appelle Perle! Il y en a peut-être deux. Hein. Et si il y en a deux, c'est mini l'autre. Hein. Et il n'y en a qu'une. Voilà, faut pas rêver. Hein. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Chez moi, les jumeaux, ça n'arrive jamais. Alors tu vas l'allaiter et tu vas babiller et tu vas la bercer. Et voilà, la génération grise est là. On banne Marie. Ouais, allez, Alexa, tu peux me banne Marie, s'il te plaît. Je rigole, bien sûr. Les six derniers. Ouais, elle contrôle même ses proutes. Instagram, est-ce que j'ai le droit de péter ou pas? Bon, on va
voilà. On va quand même attendre que la journée se termine. Putain, mais le live horrible, quoi, qui a duré 10 ans. Non, je plains surtout ceux qui regarderont la rediff, quoi. Ils voudront jamais la regarder. En même temps, comme il n'y aura pas beaucoup d'actualité sur ma chaîne en ce moment, c'est bien aussi. Tiens, tu vas faire une petite sieste. Ah, pourquoi t'es triste, toi? Oh. Nouveau bébé. Bah, c'est le premier, hein. C'est pas le nouveau, hein. Il est en cours. Il a fait 50% de ses devoirs. Là, ça craint. Là, ça craint, ça craint, ça craint. Voilà, il a suffisamment travaillé. Bravo, Pulcote! Alors, on est papa, hein? On a bien marqué un but, hein? Ça y est, un point partout, hein? Alors, on va se concentrer sur ses cours, hein? C'est les derniers, après je serai tranquille. Cours dans 17 heures. Comment construire des toilettes sur Sixam? Oh, bah tiens, c'est rigolo, ça, le nom. Parce que comme Sixam, tout ça, enfin bref, c'est pile vraiment, on est vraiment dedans, quoi. Et cours dans 19 heures. Donc, tu vas faire comment construire des toilettes sur Sixam. C'est un super cours. J'aimerais bien être à ta place pour savoir ce qu'il raconte. Ah bah... Oh, il va faire ses devoirs à côté de sa copine et de sa fille. C'est moignon tout plein. C'est vrai que c'est une fille et qu'elle a de grandes chances d'être blonde vu qu'ils sont blond pipi et blond normal. Donc, elle va être chiante. Tu as reposté le live 7h sur... Non, 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 je peux pas, hope, vu qu'en fait, Twitch coupe, pour les droits d'auteur, il coupe le son, en fait. Donc déjà, bah, ça fait des trous. Et à la limite, je pourrais essayer de sauver le blind test des années 80, mais... je suis pas sûre que ça intéresse les gens sur YouTube. Voilà. Mais c'est possible. Ça a juste duré 3 heures, en fait, même pas 3 heures. Non, 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 non. Ça fait 2h20 que j'ai commencé. Putain, ouais, personne va regarder la rediff. Hein. Je vais la couper en deux morceaux, je pense. Je vais la couper. Comme ça, je la distillerai en deux fois. 2h24. Je vais la couper, la rediff. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais oui, Marie, mais fallait être là. Il y a eu un live de 7h30 pour le nouvel an, Marie. 7h30 de live. Bah ouais, on a fait des blind tests années 80, années 90, années 2000. Et après, ça a été concert karaoké pendant un sacré bout de temps. C'était que... Ouais, j'étais claquée. J'étais claquée. Encore un mort? Ah non. Mais ouais, mais en tout cas, là, c'est dispo, en tout cas, pour une partie. Parce que comme ça coupe, il y a des trucs qui sont coupés. Mais il y a un petit peu qui sont dispo quand même sur la rediff, là, sur le... Vas-y, j'ai trouvé. Bah oui, t'étais pas là. Oui, pour la soirée du 31, c'est bien amusé. Dommage, tu n'étais pas là. Ouais, c'est vrai. On a bien rigolé. Hein. Il y a eu musique des films. Ouais, c'est vrai. Il y a eu un blind test musique de film ou de série pendant que je mangeais. Et c'était cool aussi. Enfin, tout le monde a participé et tout. Enfin, ouais, vraiment, c'était cool. Donc, à refaire, quoi. Clairement, à refaire ce style-là. La bichette, elle s'est réveillée. Perle! Petite perlette. Arre. Arre. Arrêtez, je suis trop dégoûtée. Tout ça pour faire des bisous sous la tour Eiffel à minuit. En plus, t'étais à Paris. Hein, en plus, elle était pas loin. Ça sert à quoi d'aller sur la tour Eiffel à minuit? C'est ridicule. Tu comptes faire combien de marmots pour la génération grise? Au moins 2, peut-être 3. Donc là, voilà. Comme ça, on aura le choix, quoi. C'est surtout mieux quand lui, il sera plus en cours, quoi. Il aura plus des... Qu'est-ce qu'il fait? Panique préparante. Il s'est rendu... Oh, ça y est, elle est née. Il y a un machin qui bouge dans le berceau, c'est quoi? Ouais, concentre-toi sur tes cours, chérie. Puis à Perloute, ouais, Perloute. Perlounette. Ouais, je verrai, ça viendra, hein. Eh, hey, va pipi, va manger. Va manger, va pipi, fais ce que tu veux. Après, il va avoir l'étape bambin. Quel bonheur. Quel bonheur. On va lui remonter un peu ses trucs. Alors, et après, il va retravailler. Hein. Là, c'est fait. Comment construire une toilette sur Sixam? On est quoi? On est jeudi. Très bien. Et cours dans 15 heures. Partie de particules.
Très bien. Tu le feras après, hein. Partie de particules. Ah. Là, il mange. Oh mon dieu! Bordax va nous quitter. Des jumeaux et des triplés. Ouais, on verra. En vrai, si j'ai des jumeaux à la grossesse d'après, j'arrête là, hein. Faut pas déconner, hein. Va pisser, toi, va pas dormir. Mais ça y est, Bordeaux, il sent que la vie quitte son corps. Et... Si tu veux, tu pourras faire une sieste après. Bon, toi, arrête de lui squatter, quoi. Va te laver, puante. Tu pues le vieux. Ça y est, il y a un bébé qui pleure. Elle pue des fesses! Maman! Zafo? Voilà. On va se laisser quand même passer une journée avant d'en refaire un autre, hein, parce que sinon ça fait trop, trop vite. Dodeliné, parlez. Vas-y, oh! C'est bon, lui il travaille. Oh, il est fatigué. Un peu comme moi. Et puis après, il aura une insomnie. Oh, non, les Sims, ils ont pas d'insomnie, ça qui est bien. Petite perlounette. Oh, elle est trop choupie, je suis sûre. J'espère qu'elle sera belle. J'espère qu'elle aura les yeux bleus comme sa maman. Oh non, Bordeaux. Bah, Brodo. Le fameux Brodo. Je fais des bisous à mon chat à minuit, mais mais clignotez pas. Il a pas fini, tu penses, Nami? Attends, je vais regarder. Elle clignotait et tout. Tu m'as même pas dit que tu passais. Alors, t'aurais pu venir ici chanter. Franchement. Alors, attendez. Bordeaux, Pulco, les devoirs. Non, non, c'est bon, il a fait. Il a fait. Il a fait, il a terminé. Là, il est sur des... Bon, toi, je t'ai déjà dit de te barrer. Va te coucher. Allez, hop. 22 h, c'est l'heure d'aller se coucher, pour les vieux. Il va écouter de la musique. Ils ont même pas encore ouvert les cadals, hein. Non, bah tiens, vas-y, ouvre un cadeau. Non, pas ajouter, ouvrir. Ouvrir un cadeau. Tiens, tu vas revenir ouvrir un cadeau aussi, toi. Ouais. Tu fais partie de la famille. Une série de couteaux adresse. Un sac d'argent. Bah ça c'est bien ça. Des flouzes, du flouze. Vas-y, tu vas. Ah, t'as déjà ouvert un cadeau. Va te coucher, tu m'énerves. Toi, tu vas aller manger, tu vas aller pisser. Ils m'énervent tous ces Sims en ce moment. C'est un challenge. Oui, Citizen, c'est le Not So Berry. Je me rappelle pas, mais tu as un nombre d'enfants respectés ou pas? Non, pas dans cette génération-là, je crois. La jaune, y a rien. Lui, il est en tant que la rouge avait un trait imposé, c'était d'en avoir qu'un seul, mais là, il n'y en a pas. Et oh, non, 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 non. 75%, mon petit. Non, 75%, tu continues. Particule. Allez, t'as que 25% à faire, Pulcote. Oh. Travailler avec un gamin qui pleure à côté. Pourquoi il faut que j'ai des bébés en même temps à chaque fois dans mes challenges? Pourquoi? Pourquoi? En même temps, comme ça, je vis une très grosse galère en même temps et après je suis tranquille. Mais c'est chiant! On peut le vendre, ça? Non. Bon, arrête de bouffer, viens! Grosse vache! Toujours dans la bu! T'as fait tes devoirs? T'as fini? Oui! Allez! Dodo. Atteint le niveau des compétences éducation. Horaire des cours. Mais on s'en fout, elle est plus à l'école. Tu vas babiller aussi après. Voilà, allez Dodo. Dodo! Mais je t'ai pas dit d'aller sur l'ordi. C'est bon. C'est bon, on va pouvoir faire pause, enregistrer. Et c'est là-dessus que je vais vous quitter YouTube. Bravo pour la rediff. Je pense de toute façon que j'aurais coupé en deux cette grosse rediff, puisque là je suis à 2 h 30 d'épisode. Donc je l'aurais coupé en deux. Et je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite d'une autre sobre d'autres choses sur ma chaîne. Salut!